Bonjour à tous, ici Rubik et aujourd'hui je vais commenter la première game de ce tournoi. Alors je vous cache pas que je suis assez chaud. Alors Monsieur Blond contre Spectre. Et donc on va voir. Donc je ne sais même pas du quelle race contre quelle race c'est. Je vais voir, je n'ai pas vu ce replay. Voilà. Et c'est du TVP. Alors, on va montrer un petit aperçu des APM pour voir. Alors, il y a un GLHF quand même. Donc voilà. Alors, Spectre qui crée ses petits VCS au fur et à mesure. Donc là, ils sont en train de créer des petits VCS. Voilà, là il y a un pylône qui est lancé. Alors Spectre qui attend, je pense, sagement son 9e VCS. Qui va faire son dépôt avec son 9e VCS. Donc pour l'instant, tout est très classique. Donc Mr. Blonde qui joue plutôt pas mal là pour l'instant. Et Spectre aussi. Donc là pour l'instant ils sont. Donc Spectre qui a placé tous ses raccourcis clavier. Là il a juste son scout et son XU. Il a pas rajouté sa gate. C'est pas grave pour l'instant. Alors bon, c'est de la ligue bronze, hein. Ça je vous cache pas, étant donné que mon tournoi était pour les ligues bronze, voilà. Alors je vais profiter du fait que ça soit que ça scoot, c'est le début de game, enfin tout très classique. Alors je vais profiter pour parler un petit peu de ma demande de sponsoring. Donc bah voilà, j'aimerais bien être sponsorisé, je vous le cache pas. Là, ce que fait Spectre est un petit peu dangereux, c'est-à-dire qu'il passe dans les. Ah non, même pas. Il a de la chance. Enfin, voilà. Donc, la prop qui est toujours dedans à ce côté. Alors, Monsieur Blond qui se demande ce que dit Spectre, parce que Spectre dit GG. Donc il a toujours pas. Donc là, ça me paraît bizarre quand même. Monsieur Blong, enfin Spectre, qui accumule du minerai. Bon, pas très réactif son adversaire. Bon, c'est pas grave. Et donc là, il a pas lancé son orbital commande. C'est un peu tard. Il est en train de partir sur deux racks. Voilà, le marine qui va s'occuper de chercher chasser cette probe. Donc, je vais continuer. Ah oui, donc je sais pourquoi Monsieur Blonde, enfin, Spectre a dit GG, c'est parce que son adversaire a tué son probe. Son SCV, ça me paraît ça. Donc là, il fabrique des racks. Donc là, pour l'instant, ça commence à aller. Donc, où en étais-je? Ah oui, ma demande de sponsoring, pendant qu'on suit ce petit zélote assez fast, quand même, assez early. Petite agression. Un zélote et un stalker, c'est très classique. Bon. Et là, les deux armées qui se croisent. Et donc, le marine qui va tomber complètement gratuitement. Donc là il a perdu son donc là ça part tranquillement, c'est très classique. Pourquoi ne répartit-il pas avec son SCV? C'est complètement con. Bah tiens, il y pense pendant que je le dis.
Hein, voilà. Donc, de ce côté-là, ça part sur du Warp Gate, 3 gates robots. Voilà, ça part sur un 3 gates robot. Moi, je dis, ouais, c'est un 3 gates robot. Donc là, le TOS qui est très bas au niveau du minerai. Et donc là, un deuxième stalker qui est enfin un deuxième maraudeur qui est en formation. Et donc là, cette agression qui est plutôt pas mal bien gérée, je dirais. Bon, c'est un début de game classique, c'est du TVP. Donc c'est somme toute assez classique. Il forme des immortels, il warp des unités. Donc on peut voir quand même que le TOS a bien droné. Ce qui n'est pas tout à fait le cas du Terran. Voilà. Donc ils en sont à combien d'unités? Ils en sont à 27 16 SCV plus les mules contre 28 sondes. 28 probes. Donc c'est mauvais. Moi je dis ça sent mauvais pour le Terran. Donc voilà. Des ressources qui commencent à s'accumuler des deux côtés, c'est pas bon. Alors, chez le TOS, ça peut être justifié par une économie pour une expande. Là, le Terran qui est un petit peu trop, comment dire, ballsy. Les supply blocs. Il a un réacteur mais il ne forme qu'un seul marine avec, donc ça ne sert à rien de faire un réacteur dans ce cas. En plus tout le minerai qu'il a accumulé, voilà. Ouh, fourbe, fourbe. Alors fourbe de la part de notre petit Protoss, mais ça ne servira à rien. Puisque de toute façon, il a défoncé toute l'armée de son adversaire, mais il ne s'en doute pas. Et là, les trois petits stalkers qui vont arriver, c'est le push du TOS. Et vu le temps de la game, à mon avis, il va gagner là-dessus. Donc, comment dire? Bon. Alors, qu'est-ce que je vais conseiller à Spectre? Alors, Spectre, voilà, améliore ta macro. Parce que, après, ça sert à rien de faire un petit hit and run quand c'est déjà foutu, en fait. Plus, les stalkers ont plus de portée que les marines. Et donc là, il se fout de sa gueule de son adversaire, clairement. Et donc Spectre a perdu, il quitte la partie. Et c'est la fin de cette game. Donc oui, Spectre, améliore ta macro parce que là, 700 de minerai. Voilà. Alors moi, ce que je dis, ce que je t'aurais conseillé, ce que j'aurais fait à ta place. Parce que là, il est quand même parti sur beaucoup, beaucoup de racks. Contre TOS, moi j'aurais fait un 1-1-1, 1-1-1, et plus expand. Alors, avec des siege tanks, parce que là, avec les siege tanks, tu massacrais ton adversaire. Si tu, bon, même, bon, les immortels, c'est vrai, ça résiste plutôt bien aux stalkers. Donc voilà. Mais en fait les tanks, bon il aurait fallu faire un tout petit focus fire sur les stalkers. Rien de bien grave. Donc les raccourcis clavier de... Alors il a mis ses 4 racks. Pourquoi avoir mis ses 4 racks dans ces raccourcis-là? Je ne comprends pas. Enfin bon bref. Plein d'énergie sur sa station orbitale. Donc voilà, et je vais commenter la. Je vous retrouve tout de suite pour commenter la game suivante de ce BO3. Allez, à plus.